Parfois, j'ai l'impression que sans moi, ils sont pas grand-chose. Je veux bien un petit tabouret. Ça m'arrangerait. Oui, parce que je vais chanter une chanson très triste et puis... tabouret. Non, c'est horrible, cette image de tabouret. Pour se pendre. Oh, ça va. Bref, cette chanson, il s'appelle De ma fenêtre, et puis vous auriez pu aussi bien ne pas l'écouter près de votre fenêtre, parce que ça peut provoquer des jetages intempestifs. Donc prenez votre visage le plus triste. C'est important parce que moi, je ne peux pas chanter de chanson triste. Si, voilà, par exemple, vous souriez. Ben, voilà. C'est exactement ce que je ne veux pas voir, madame. Comment vous vous appelez ? Laurence, ben voilà. Essayez au moins, quand même. Elle ne sait pas être triste, Laurence, mais quelle merveille ! Qu'est-ce que j'aimerais être vous, Laurence ? Toujours heureuse. Hein. Oh. Il y a quelqu'un qui a pris son courage à deux mains, là, qui a lancé... une marque d'affection extrêmement sympathique. Vous êtes sympathique en même temps, je dois le dire. Et puis, voilà, un tonnerre d'applaudissements pour vous-même. Stop, on arrête et on reprend le visage triste. Laurence, j'ai... Ouais, bah non, j'essaierai de pas te regarder, Laurence. Mais je pense que cette chanson peut te calmer. Hein. De ma fenêtre,
de ma fenêtre. De ma fenêtre, je vois tes grands yeux qui me répètent que je suis ta femme. Qui me disent de plus faire de drame, plus me faire des billes, puisqu'on est deux. On va refaire une fois parce que là vous l'avez. Et que c'est. Oui, aïe. Pardon. C'est mon moment préféré. On y va. De ma fenêtre. Qui me disent de plus faire de drame. Plus me faire de billes, puisqu'on est deux.